Bonjour, présentation de l'unité d'enseignement DRA 103, règles générales du droit des contrats, dont je suis l'enseignante, je m'appelle Anne Hercelin. Quels sont les objectifs de l'unité d'enseignement DRA 103 ? C'est d'abord de vous permettre de répondre à une problématique juridique donnée en construisant un raisonnement juridique qui sera étayé à partir des supports théoriques fournis. Au terme de cette unité d'enseignement, vous serez à même de reconnaître un contrat et le qualifier juridiquement, analyser les différentes étapes de la formation d'un contrat et déceler les anomalies éventuelles, maîtriser l'ensemble du contenu, notamment l'objet et la cause, reconnaître et appliquer les cas de nullité, gérer l'exécution d'un contrat et en dernier lieu, appliquer en cas d'inexécution les sanctions appropriées en dégageant notamment les grands principes de la responsabilité civile contractuelle. Maintenant, quelques conseils pour bien réussir cet enseignement. Quels sont les prérequis ? Premier prérequis, il est indispensable d'avoir une connaissance approfondie de l'organisation judiciaire française, de savoir interpréter les différentes décisions des différentes juridictions. Pourquoi ? Parce que les supports théoriques sont en effet illustrés par de nombreux arrêts tirés de la jurisprudence, notamment des arrêts de la Cour de cassation et des différentes cours d'appel. Deuxième prérequis, une maîtrise du vocabulaire juridique et des principaux concepts et notions juridiques. Il est fortement recommandé d'avoir au préalable suivi les unités d'enseignement DRA 001, présentation générale du droit, et DRA 002, initiation aux techniques juridiques fondamentales. Concernant les apprentissages, vous devrez être à même de faire preuve d'une grande rigueur, de concision, d'apprendre et de comprendre à travers des cas pratiques concrets, la terminologie et les règles juridiques qui seront développées tout au long de cette unité d'enseignement. Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et vous souhaite un excellent semestre.